answer something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de mon challenge, une vidéo par jour. Et today on va faire... vas-y, je commence à parler anglais. Aujourd'hui je vais reproduire des photos Pinterest. J'ai vu cette idée de vidéo il y a un mois à peu près. Je sais plus qui c'est qui avait fait ça, mais j'ai trouvé l'idée cool. Du coup voilà, je vais reproduire des photos Pinterest. Alors bon, je vais essayer de sélectionner à peu près les mêmes vêtements, même si ça va être un peu compliqué. Pour ce qui est du fond, j'aurai pas forcément le même fond, mais je vais essayer de faire au mieux. Ça se peut que ce soit un carnage, mais c'est pas grave, comme ça on rigolera. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira. Aussi n'hésite pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, ça me ferait vraiment trop plaisir. On monte énormément sur TikTok, mais Instagram c'est très compliqué, j'arrive pas à monter, donc c'est pas grave hein. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à venir. Du coup c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer, on a cette photo. Donc c'est une fille qui est comme ça. On va voir. Elle a un top noir, donc j'en ai un peu similaire. Elle a des colliers qui pendent en cascade. Ça a l'air d'être un pantalon gris blanc. Je sais pas si je vais avoir ça, mais moi je vais prendre un jean tout simple. Elle a un chouchou au poignet. Donc j'en ai pas un marron, mais je vais faire avec. Et après, elle est devant des fleurs. Alors moi j'ai pas de fleurs, mais je vais me mettre devant des buissons ou des trucs comme ça, on va voir. Bon, juste le seul souci c'est que j'ai que un truc manche longue, du coup je peux pas, enfin ça fait pas très beau ça. Bon du coup c'est parti, on va faire la photo. Cette photo-ci, donc c'est une fille qui est allongée sur le lit, elle a la main comme ça. Là je sens que je vais être ridicule sur cette photo parce que c'est impossible, elle est magnifique, donc c'est pour ça que ça rend beau. Donc avec un top blanc, les cheveux, je sais pas s'ils sont lisses ou s'il y a une sorte de wavy, moi je vais garder mes cheveux comme ça. On n'a pas la même longueur des ongles, c'est pas grave. Elle a 3 bouts d'oreilles. Moi j'ai que 2 trous donc je vais en mettre 2. Et voilà, je vais mettre en rouge à lèvres comme elle, mais je pense pas que ça va en taille. Et surtout que j'ai même pas la même couleur de drap qu'elle. Bon, c'est pas grave, on va essayer. Ensuite on a celle-ci, donc aussi sur le lit. Donc elle a une veste en jean, je pense. Elle a des tatouages, bon moi j'en ai pas autant sur les bras, mais c'est pas grave. Et elle sourit, donc elle est assez simple je pense à reproduire, on va voir. Je vais essayer, j'ai des cadres aussi, bon c'est pas les mêmes mais c'est pas grave. On a celle-ci, donc elle, cette fille, elle est magnifique. Donc moi ça va pas rendre pareil, mais c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un treillis crème, parce que j'ai pas une sorte de pantalon comme elle. Je vais essayer de voir si j'ai des chaussettes montantes blanches, un top un peu comme elle. Et je vais mettre du rouge à lèvres bordeaux, et je vais faire une demi-queue. Comme ça, si je me mets comme ça, peut-être ça va rendre mieux par rapport à sa photo. Et elle a des créoles. Ok, je vais essayer de faire ça. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.